Bienvenue au Quiz Dilettante avec votre animateur, Justin. Merci, merci. Et oui, bienvenue au Quiz où notre seul concurrent courra la chance de gagner un très grand prix. Accueillez chaleureusement notre concurrent, Elliot. Bonjour Elliot, peux-tu te présenter à l'audience du Quiz Dilettante? Oui, bonjour, mon nom c'est Elliot. Sans plus tarder, commençons. N'oubliez pas ceux qui écoutaient à la maison que ce sont des questions tirées de notre épisode de réactions-commentaires sur la vidéo de Veritasium « Math has a fatal flaw ». Vous pouvez donc tenter d'y répondre avec Elliot. Allons-y. Première question. Quelle expression décrit le mieux le halting problem? Est-ce que c'est A. Déterminer si une machine de Turing sera capable d'exécuter son code sur un input donné. B. Déterminer si une machine de Turing s'arrêtera sur un input donné. C. Déterminer une procédure algorithmique qui peut dire d'avance si une machine de Turing s'arrêtera sur un input donné. Ou D. Déterminer une formule mathématique qui peut dire d'avance si une machine de Turing s'arrêtera sur un input donné. OK, je suis quand même déchiré entre deux questions. OK. Après ma barre, je pense que c'est C. OK. Mais... c'est parce que là, finalement, au départ, le halting problem, je me rappelle que c'est vers la fin qu'on en parle. Mm-hmm. Puis le halting problem, je sais pas si ça l'inclut la partie avec H+, ou si c'est juste le départ de tout ça. Fait que là, OK, déterminer si une machine de Turing serait capable d'exécuter son code sur un input donné. J'ai l'impression que je vais y aller avec C, mais j'ai l'impression que peut-être que je me trompe avec le principe du jeu de la vie, mais je vais quand même y aller avec C. Réponse finale. Et c'est une bonne réponse! Yes. Donc la subtilité, c'est que on veut une procédure qui peut dire d'avance si la machine de Turing s'arrêtera. Donc, c'est sans devoir exécuter le code au complet. Et puis, le A, par exemple, on dit que est-ce que déterminer si une machine de Turing sera capable d'exécuter son code sur un input donné. Ça, dans la vidéo, j'avais donné l'exemple où on pourrait avoir un code très simple qui dit tout simplement « halt ». Puis ça, on pourrait déterminer que ça « halt » ou pas. Donc, l'idée, c'est qu'on veut vraiment une procédure algorithmique qui fonctionne d'avance pour tous les codes donnés, qui est pour tous les... OK, inputs. Parfait. OK. Puis, si je me rappelle bien, dans la vidéo, c'est inexistant. On ne peut pas vraiment le trouver. Non, démontre c'est ça. Un peu le... C'est ça. OK. Donc, cool. il est indécidable, le halting problem. Ouais. Justement, deuxième question. Qu'est-ce qui décrit le mieux une proposition indécidable? Est-ce que c'est A, une formule logique mal formée? B, une formule logique bien formée pour laquelle il n'existe pas de décision qui maximise l'utilité? C, une formule logique bien formée pour laquelle il est impossible de trouver une preuve qui l'affirme ou la contredit? D, une formule logique bien formée pour laquelle on sait qu'elle est vraie, mais pour laquelle nous n'avons pas de preuve. OK, parfait. J'ai l'impression que c'est pas A. B, j'ai l'impression que c'est un retour sur l'épisode 8 par rapport à la théorie de la décision. La formule par rapport à la décision qui maximise l'utilité, j'ai l'impression que c'est pas ça. Fait que là, on a C puis on a D. J'ai l'impression que c'est plus large que D. Par exemple, là, D, c'est pour laquelle on sait qu'elle est vraie, mais pour laquelle nous n'avons pas de preuves. OK. C'est vrai que... Ça fait partie du problème, mais je pense que, d'après moi, le problème, c'est plus C, où ce qui est impossible de trouver une preuve qui l'affirme ou la contredit. Donc, soit c'est vrai ou soit c'est faux et on peut pas le trouver. Donc, j'ai l'impression que c'est C, encore une fois. Réponse finale? Ouais. Et c'est une bonne réponse! Yes! En effet, très très bien compris la nuance entre les deux.
Donc, bravo. Troisième question. Que veut dire le principe du tiers exclu? Est-ce que c'est A, qu'une proposition logique doit être vraie ou fausse? B, qu'une proposition logique peut être ni vraie ni fausse? C, qu'il n'existe que deux valeurs de vérité pour une proposition logique donnée? Ou D, que si on divise un nombre en tiers sans arrêt, on s'approche de zéro? OK. J'ai l'impression que c'est pas D. Qu'une proposition logique peut être ni vraie ni fausse, j'ai l'impression que c'est pas ça. Je suis déchiré entre A, qui est une proposition logique doit être vraie ou fausse, ou C, qu'il n'existe que deux valeurs de vérité pour une proposition logique donnée. C, c'est un peu trop large, parce que j'ai l'impression que ça pourrait dire qu'une proposition logique pourrait être vraie et fausse. Donc, je vais y aller avec A, qu'une proposition logique doit être vraie ou fausse. C'est réponse. Une bonne réponse! Yes! Exactement. Et donc, on se souvient, le principe du tiers exclu, c'est que il y a juste deux valeurs de vérité, vraie ou faux, tandis que les intuitionnistes incluaient une espèce de tierce position, une troisième valeur de vérité qui était une sorte d'indétermination étant donné qu'on n'avait pas encore trouvé un objet mathématique qui démontrait une telle propriété ou quelque chose comme ça. OK. OK, quatrième Parfait, question. Ça va bien jusqu'à maintenant. Oui, oui. J'ai hâte de gagner le Grand Prix. Quatrième question. Quel courant de philosophie des maths rejette ce principe? Ce principe étant celui de la question d'avant, c'est-à-dire le principe du tiers exclu. Est-ce que c'est A, le formalisme de Hilbert, B, l'intuitionnisme, C, le platonisme, ou D, le positivisme logique? J'aimerais quand même... Merci beaucoup de m'avoir donné la réponse il y a 2 minutes, quand t'expliquais la question 3. Donc, le platonisme, le positivisme logique, le formalisme de Hilbert... sont tous, d'après moi, des mauvaises réponses et je vais y aller avec l'intuitionnisme. Et c'est une bonne réponse. En effet, je t'ai donné la réponse il y a 30 secondes. Cinquième question. Que représente l'acronyme ZFC? Est-ce que c'est A, Zermelo-Frankel-Crick? B, Zambino-Franklin-Choix? C, Zermelo-Frankel-Choix, ou D, Zambino-Frankel-Crick? je t'ai demandé de pas mettre cette question de nom. De pas mettre des questions avec des noms, parce que je m'en rappelle jamais. Mais je vais y aller avec l'aisance avec laquelle t'as donné les réponses. J'ai trouvé que C, tu l'as donné avec beaucoup plus d'aise, fait que j'ai l'impression que tu l'as dit plus souvent. Fait que je vais y aller avec C. C'est une bonne réponse. L'acronyme ZFC, on se souvient, ce sont les axiomes de base de la théorie des ensembles qui ont été formulés par Zermelo et Frankel. Et puis on ajoute l'axiome du choix qui était à ce moment-là inconnu, mais qui ça apparaissait implicitement dans plusieurs preuves. Et la raison que j'ai mis cette question-là, bien que tu m'aies demandé de ne pas mettre des questions de nom, c'était parce que dans la vidéo, je disais Franklin et je trouvais que c'était un peu un manque de respect pour M. Frankel. Donc, je tenais à corriger parfait. Via le quiz. Fait que c'est le moment erratum exact. De la dernière vidéo. OK, parfait. Sixième question. Ça prend environ combien de pages de Principia Mathematica avant d'arriver à la preuve de 1 plus 1 égale 2? Est-ce que c'est A, 100 pages? B, 700 pages, C, 2 pages, ou D, c'est la toute dernière preuve à la toute dernière page. OK. Ça, OK, je sais que c'est pas 2 pages. Je pensais, de mémoire comme ça, je pensais que c'était 100.
que c'était 200. Fait que j'imagine que c'est plus que 100. Fait que A, je l'enlève. 700 pages, ça m'apparaît véridique, mais est-ce que c'est la toute dernière preuve? À la toute dernière page, il y avait plusieurs volumes, il comptait en faire plusieurs, fait que ça me semble assez irréaliste que ce soit la dernière preuve qui ait fini avec ce... qui ait fini avec ça. D'après moi, c'est comme le début. 1 plus 1 égale 2. Fait que je vais y aller avec B, réponse finale. C'est une bonne réponse. Selon le vidéo Veritasium, j'imagine dans l'édition que Veritasium connaît, il dit que ça prend 762 pages avant d'arriver à la preuve que 1 plus 1 égale 2. Septième question. Quel principe fondamental permet à Gödel d'utiliser des nombres pour représenter des propositions logiques, des équations, etc.? Est-ce que c'est A, le théorème des nombres premiers? B, le premier théorème de Gödel? C, le second théorème de Gödel? Ou D, le théorème fondamental de l'arithmétique? Donc, je vois qu'il y a des choses un peu paradoxales dans tes réponses. Si le premier théorème de Gödel l'aurait aidé à résoudre son premier théorème, ou son deuxième, ça serait assez paradoxal, donc je vais pas y aller avec ça. OK, et le théorème fondamental de l'arithmétique, je sais pas exactement c'est quoi, est-ce que ça existe? Me semble... théorème fondamental, en tout cas, j'ai pas l'impression que je l'ai déjà vu ou que ça existe. Par contre, je me rappelle du théorème des nombres premiers, en fait, c'est ce qui l'a servi à faire des chiffres, donc des équations avec ces chiffres qui lui permettent de donner des chiffres finaux qui sont, en fait, qui ont une seule réponse si on les déconstruit, si on les reverse engineer. Et c'est avec le théorème des nombres premiers qu'il a réussi à faire cette preuve, qu'il a réussi à faire la preuve parce que, puisqu'il mettait la méta-arithmétique dans l'arithmétique en chiffres, il fallait que chacune des équations ait une seule réponse. Donc, je vais y aller avec A, réponse finale. C'est une mauvaise réponse. Non! Tu as très bien compris le principe, mais ce théorème-là, il s'appelle le théorème fondamental de l'arithmétique. Et je l'ai mentionné dans la vidéo. Alors, c'était un petit piège. Le théorème des nombres premiers, c'est un autre théorème qui dit que qui décrit grosso modo à combien de nombres premiers on devrait s'attendre à trouver dans un certain range. Tandis que la bonne réponse, le théorème fondamental de l'arithmétique, est celui qui dit que tous les nombres peuvent être écrits de façon unique comme un produit d'un nombre premier. Ah, oh, shit! OK. Et le théorème des nombres premiers, c'est quoi déjà? Ça te dit, grosso modo, à combien de nombres premiers tu devrais t'attendre à trouver dans un certain range. Alors, si je te dis, prends les 10 millions de premiers entiers, à peu près combien de nombres premiers tu devrais trouver? Puis, il y a une formule pour ça qui donne une approximation. Fait que là, moi, j'ai vu théorème des nombres premiers. En fait, j'avais comme la bonne réponse, mais je l'ai attribué au mauvais nom. Exactement. De théorème. Exact. OK. Fait que le théorème de la défactorisation en nombre premier, ça s'appelle le théorème fondamental de l'arithmétique. Exactement. Exactement. C'est un théorème qui nous vient de l'Antiquité. Un théorème de base qui sert à faire toute la théorie des nombres et qui a servi au théorème de Gödel. OK, moi qui m'attendais à gagner un gros, gros prix, je vais retourner chez nous, bredouille. Peut-être à la prochaine édition du Quiz Dilettante. Alors, merci tout le monde d'avoir assisté au Quiz Dilettante. Et on se retrouve la prochaine fois avec notre seul concurrent, Elliot. Bonne fin de journée.